On écoute la guerre. On reprend du pain, on, à peine sur le bord du tabouret. On ne parle plus. On regarde le jardin, on remarque l'eau glacée, on se décide. On va casser la glace pour les oiseaux. On revient s'asseoir. On regarde les oiseaux prendre bain, boire. On fait ce qu'on peut. On écoute la guerre. On termine son vin de table dans ses petits verres ronds, mal lavés. Une main posée là, inutile. L'autre sous le menton, sans doute. On se détache, on se trouble un peu. Quand l'autre dit « tu ne m'écoutes pas », on se demande s'il restera assez de vin pour deux. On n'ouvre pas le journal ni les lettres de rappel. Ça reste plié sur la table de la cuisine, sous des tracts publicitaires. On grille quelques cigarettes, on ne fait rien, les yeux sur des nœuds. On écoute le bois travailler, on sent le poids de la neige sur le toit. On se rend au centre commercial, on achète des yaourts en promotion, une boule de pain tranchée, un poulet premier prix 41 jours, des frites surgelées pré-cuites, des tomates calibrées, trois paires de chaussettes pour le prix de deux, un paquet de chewing-gum familial. On fait la queue, un caddie dans les reins, un écran, des images au-dessus de la caisse, ça défile, on n'a rien d'autre à faire, on pose, on sourit, on range, on paie, on en a marre. Non, pas de monnaie. On fait un tour dans la galerie marchande, on a envie de rien, on respire mal. De toute façon, on n'a pas l'argent. On achète un ticket perdant au bureau de tabac et les programmes télé. On voudrait bien faire autrement, mais on est les gens. On se prend en photo devant le frigo, le vieux frigo dehors sous la grange, rouillé, qui ne sert plus à rien qu'au décor de la cour. On retrouve collé sur la porte des images, footballeurs, départements, animaux sauvages. On rentre le ventre devant l'objectif, à tour de rôle on passe un bras par-dessus les épaules de sa mère, de ses frères. On oublie de s'y mettre avec le père. On se souvient surtout de ses coups contre le frigo. Avec un ongle, on arrache les coins des autocollants.